Salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. D'ailleurs, un petit moment que j'ai pas fait de vidéo tout court. Comme vous avez pu constater, je me suis pris un nouveau casque, enfin un petit casque pas cher, hein. Je me suis pas pris la tête, un casque à 20 euros. Hein. Et là voilà, à ce moment j'avais déjà prévu quelques gameplays de Call of Duty, je les ai toutes postées, voilà. Et du coup, il serait peut-être temps que je me remette à faire des vidéos. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas Rainbow. J'y suis retourné un petit peu sur Xbox dernièrement. Et ça s'est plutôt bien passé. Sur PlayStation 4, je n'y suis pas retourné depuis un moment. Alors, il faut savoir que je suis meilleur avec une manette Xbox qu'avec une manette PlayStation 4. Et là, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué sur PS 4. Donc, du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc, on part en simple. Yeah. On s'emmerde pas, on va pas commencer à partir en classé, je vais me faire démonter. Alors j'espère que ça va marcher, que je vais pas bugger. Parce que bien évidemment, si je ne poste pas trop de vidéos aussi, c'est parce que, comment dire, j'ai une co vraiment pourrie. Excusez-moi, là on est en train de chercher un appartement pour essayer de se barrer d'ici et pour que je puisse reprendre les lives. Parce que ça fait 3 ans que j'ai pas fait de live en fait. Voilà, parce que j'ai une chaîne Twitch, tout ça, mais... Ça fait un petit moment que j'avais pas pu faire ça. Et il me tarde vraiment de pouvoir retrouver les lives, surtout pour faire des lives sur la Xbox en fait, parce qu'il y a des super jeux, Sea of Thieves, Forza Horizon 4. Franchement, on pourrait vraiment se faire des bons trucs. Donc, quel perso je vais prendre là? Parce que je sais pas qui prendre quoi. On va prendre Castle. On va se faire un petit Castle, ça pourrait le faire. Va essayer tout ça. J'espère qu'on sera pas avec des merdes quoi. Parce que j'ai l'habitude là depuis. Là j'ai fait quelques parties sur Xbox et c'est tombé les mecs. Que des merdes avec moi. Les mecs ils te tuent, ils font n'importe quoi. Le classique quoi. Le mec il te bute ou alors il quitte, ça m'énerve. Les mecs il lance une partie, t'es là et d'un coup tu te retrouves à deux. Les mecs ils sont secs en face. Et en plus, les mecs en face ils font les as-dés, c'est spoon kill où ils campent comme des putes partout dans la maison. Ils font les as-dés, ils t-back, c'est frais. Vous êtes 5 contre 3 ou contre 2, je veux dire, qu'est-ce que vous faites l'as-dé? Je me suis pris la tête avec un mec sur Xbox tout à l'heure pour ça. J, toi t'es vraiment un cachet bé d'aspirine, mec. Bon. Voter pour exclure. Nous devons protéger le Voter. conteneur Non. radioactif. Faire enculer, Sécuriser la je salle. crois que je vais exclure quelqu'un ou quoi? Partie avant de commencer. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien avec le nouveau casque. Ça, ce sera une première en Le vidéo conteneur avec. radioactif. Voilà. Mettre ça là. Test carte, je la fais pas souvent quoi. C'est pas pratique quoi. On me rappeler vraiment où sont les trucs. Je le mets où ça? Ah mais toi t'es con toi, t'as mis ça là frère, ils vont te casser le mur direct mon pote. Plus que 10 secondes. Je sais pas où mettre le truc. Moi ce que je vais faire, regardez, je vais pas me prendre la tête. Plus que 5 secondes. Je peux pas le placer là. Merde, et ouais c'est fait exprès. Ah si, peut-être sur ça non? Protéger le Ouais sur conteneur ça. radioactif à tout prix. Voilà. Merde, j'ai pas mis les castles. Oh le con! Putain, je prends castle en plus. Bon, tant pis, je risque de mourir. Allez, on tente. Yes, ça a marché. Je fermerais bien ici quoi. Bon vas-y je ferme, tant pis pour leur gueule. Que Jarry savait lui. Mais Jarry sait! What? Alors voyons voir. Ah le bâtard, putain de fils de pute. Putain, l'enculé de sa mère. Ça aussi, c'est vraiment un personnage de gay, quoi. Putain. Putain, je te ping ta grand-mère, va, pédé. Je suis dégoûté, ça commence trop mal, quoi. En plus, j'ai fermé la porte là-bas, ils iront pas.
Je suis dégoûté quoi. Est-ce qu'ils vont au moins faire quelque chose? Ouais, mais non, mais c'est mort, le mec il sera à l'intérieur là-bas. Ouais, ils sont con. J'étais tout seul dedans aussi, c'est la merde. Plus qu'un op fort. Non, mais il est dehors le mec, hein, il va pas bouger, il est vers la zone. Il est vers la zone, les gars. Voilà, il est dehors sur les trucs. C'est sûr et certain ça. Ça m'étonnerait qu'il soit rentré. Il est rentré? Ah non, il a fait un trou, ok. Il a entendu le mec, parce que moi je l'ai pas entendu. Hein. Ah, s'il a entendu le bruit, le mec, il a un casque, je sais pas ce qu'il a comme casque, mais. Dernier agent allié. Ça va être chaud. Il a bien joué tactique ce bâtard, il a fait le petit trou dans le métal, clac. Il me l'a bien mise cet enfoiré, j'avais oublié qu'il y avait ce perso, putain. Ah, j'ai pas le saison pass sur la Play 4, j'ai le saison pass sur la Xbox, je suis con moi aussi, je crois que je vais me le prendre sur la Play 4, comme ça ce sera fait et j'aurai les persos parce que c'est chiant ça. Ça va, les anciens persos aussi ils sont pas chers en ce moment, il y a une bonne promo, c'est 1500 le perso à la place de 25 000 ou un truc comme ça, je sais plus combien. Ah, 15 000 je veux dire. 1500, c'est le mec, presque il te le donne le truc, ça. Empêcher tout nouvel accès au conteneur radioactif. C'est chaud ça, vos cocos, ouais. La toucher, lui dire que ça fait du bien, la toucher. Ah, il a bien eu le petit cochon, il a bien eu, c'est bien mon garçon. Ah le bâtard! Ah ouais, tu fais pas gaffe là, tu te fais démonter. Allez, mets-lui une balle, on n'est pas des gamins, frère. Ça me gonfle les mecs qui font ça, quoi. Oui, tu le baisses, enfin, il te baisse, t'as un vagin, monsieur. Je vous écoute. Et c'est le mec. Ah! Il se retourne, ça sent mancant dans ce jeu. Pareil, les mecs qui sont couchés par terre, tu avais le balle dans la tête, il faut un vol, regarde. Ah! Et qui se retourne normal. Ah, maintenant il fait un cunilingus. Ouais, je vais vous dire un secret. Ne demandez jamais à votre femme de vous laver un maillot de foot. Regardez. Vous avez vu? Flymirat, il est parti en couille. On dirait qu'il y a de l'ombre, hein, mais non. Elle me l'a complètement niqué. J'ai fait l'amour avec un poisson clown. C'était rigolo. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça ou pas? Ouais, vas-y, on prend ça, nique sa mère. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Je l'aime beaucoup, Blackbird. J'hésitais une fois à l'acheter, finalement j'ai bien fait. Par contre, je l'ai pas sur la Xbox. C'est vrai que parfois c'est un petit peu chiant ça. Tombé. Catwoman. Localiser le conteneur radioactif. Craquage de dos. Bon, où sont ces petits salopios là, ces petits cochons de nous? Peut-être qu'ils sont à la salle de poker. Ah non, il est en haut. Yes. Soupe, ciao, à la prochaine. 10 secondes avant insertion. Mais il est où? Ils sont pas là. Ah, les petits salopios, ils sont. Allez, je le. Mais arrête, frère, il est de... je suis devant. Voilà. Tiens, nique ta mère. Voilà. Non. Putain, ils font une chiao leur exclure les gens. Pourquoi ils veulent l'exclure? Parce qu'il fait zéro kill. C'est n'importe quoi, ça. C'est faux, le mec, il va faire une partie de fou, là. Je trouve ça complètement débile. Par contre, ce mec, est-ce qu'il court pas vite avec ça? Ça va, frère. C'est le mec, j'aurais une arme dans les mains, je courrais pareil. Je criais avec quelqu'un là, c'est pour ça que je parlais plus, c'est d'écouter.
Ah, il a bien niqué. Oh putain, mais ils sont passés par là, les collègues, quoi. Mais comment ils... Oh, mais c'est n'importe quoi. Ils viennent de là, les mecs. Putain, man. Putain, que tu puisses te faire péter le cul par une armée d'éléphants. Man. Les mecs, ils viennent de là, quoi, les types. Ils viennent d'ici, toi. Tu crois que tu vas pouvoir faire un truc de fou? Et finalement, voilà, t'as des alliés de merde comme ça qui lui regardent pas. En fait, c'est ça, les mecs. C'est ça que j'aime pas dans Rainbow quand on joue avec des mecs qu'on connaît pas. C'est-à-dire, les mecs, t'as plusieurs pièces. À la place de vérifier toutes les pièces et d'avancer, ils voient que dans une pièce, y'a rien. Mais ils se disent pas que dans les autres, sur le côté, peut y en avoir. Et ils continuent comme des mongols, ils se font baiser après. C'est exactement ce qui s'est passé là. Voilà. Bien joué, garçon, bien joué. C'est bien. Ah, t'es là le perso que je kiffe en plus. T'es bien mis une sacrée tête quand même. Hein. Doliprane. Voilà. Mal à la tête, t'inquiète, il a les Doliprane, le mec. Il distribue les Doliprane à gogo, lui. Je fais 0 kill, la putain de sa race, quoi. Bon, allez, on prend mon petit perso, là. Le petit bébé. Je fais 0 kill, les gars. 0 kill. Putain, j'ai quand même fait une partie de chauffe avant, vous voyez. J'ai fait 4 kills. Et là, je décide, bon, allez. Je fais 4 kills, bah, j'ai pas fait non plus une partie de fou, vous voyez, mais là j'essaie de faire une vidéo, putain de merde, et je vous fais 0 kill, un truc horrible quoi. Ah, j'avoue que j'ai un petit peu stressé là, quand l'autre est arrivé, putain. Il s'appelle comment lui? Kiku? Ah ouais, Kiku, putain, il y a vraiment des noms de merde quoi. Je sais pas quoi, trouvez-vous des noms. Agrume, Agrume PVP quoi, le truc. Il risque de venir d'en haut, donc on va aller. Ouais, nique ta mère, voilà, cordialement. Je vais mettre là. C'est genre, tu peux pas mettre ici, t'as juste. Pff, ouais, je vois pas trop l'intérêt là. Plus que 5 secondes. Je suis parti mettre des pièges, moi, frérot. Le conteneur radioactif et va profiter de l'assaut pour le localiser. Porte renforcée. TBA en place, ils peuvent venir. Ouais, mais l'autre il bloque tout. On va se faire démonter, putain, truc de fou. On est mort. Il ah, y en a qu'un qui joue, hein. Il y en a qu'un qui joue avec nous. Hein. Si on gagne 2-0, c'est vraiment grâce à lui, quoi. Opfer a trouvé le conteneur radioactif. Je sens pas ce coup-là. Ah, c'est pas possible, là, ça traîne me péter les couilles, franchement, là. Hein. Là, c'est, il est vraiment en train de me... Mais regardez-moi ce torchon, quoi. Le mec, c'est un torchon, la tête de ma mère. Il est là, il bouge pas comme une chienne, quoi. Putain. Arrête de prendre exemple sur ta mère, va, salope. Putain, ça commence à me casser les couilles, quoi. Les persos de merde, comme ça. Pff, voilà, le mec, il fait un trou, tu l'entends pas. Frère, il est en train de cramer du métal. Donc, on n'entend pas un mec qui crame du métal, quoi. Franchement. Ça rend fou, cette partie. Hein. Con de tes morts, va. C'est encore l'autre qui va faire toute la partie. Hein. Yes, bien joué. C'est pas grâce à moi. Et c'est pas grâce à moi du tout, non. T'es le mec qui est toujours en train de boire ça. Ouais, ça c'est vraiment un perso de pute. Me dites pas qu'un perso comme ça mérite d'être en compétition, imaginons. Ce perso-là, il a pas sa place en compétition, clairement pas. C'est horrible. Ça, j'ai trouvé un peu pourri, là, les deux persos qu'ils ont rajoutés. Même la meuf, là, avec son bouclier, il sert à rien, quoi. Je trouve ça un peu pérave, quoi.
Ils sont pas trop foulés à cheville, quoi. Trouver un autre match, ouais. On va en faire une autre quand même parce que ça a été vraiment désastreuse. C'est l'histoire d'un pâté qui voulait être sur du pain. Un pâté avec du pain. Ouais, ouais. Le pâté avait du pain. Ce type... Mec, il chante trop bien, il danse trop bien, ce type trop bizarre. Allez, machin, là, ce coup-ci, je nique tout. Là, j'arrive. When you gonna be to fly? Yeah, baby. Allez, on est chaud patate, là. Je fais des esquives de balles. Je vais rien esquiver du tout, je vais me faire niquer direct, je vais pleurer, je vais être là. Ah, qu'est-ce qui se passe dans mon visage? Oh mon dieu. Des nuages. On y va, on prend ça? Non. On va pas prendre Capcan, on prend quoi? C'est ça qui me saoule en fait. Qu'est-ce qu'on prend? Bah allez, chaud patate. On prend Jean-Louis de la Forêt. Ah, j'espère que ça se passe plutôt bien cette partie. Parce que sinon, je sens que ça va sentir le pâté. Comme dirait mon grand-père, il y a une couille dans le pâté. Est-ce qu'ils sont chauds les gens? C'est chaud, ça brûle. Ah oui. J'aime bien sur ce jeu, c'est la rapidité pour aller dans des parties, c'est magnifico. Un petit rototo qui passe bien. Eh hey mec, doucement man, t'as failli tuer poteau. On se calme la zigounette là. Ah, je sais même pas quoi faire. La tête de ma mère, je sais pas quoi faire. Le drone top fort a trouvé des endroits de merde comme ça, c'est horrible. Porte fortifiée. On est cons, on essaie de faire le même mur. Quoi. Merde, mais non, j'ai un autre mur à faire. Protéger le conteneur radioactif à tout prix. Avant, on en mettait entre les deux et ça passait crème, quoi. Ils l'ont patché, ça? Ouais, ils l'ont patché, en fait. Ouais, c'est bon, c'est déjà en train de mourir. Génial. Là, il y a un chat, je fais ça pour elle, là, je le sais. Merde, j'ai oublié d'un. Oh, on peut pas mettre un. Ah, je pense qu'il me faire cramer le cul comme tout à l'heure. On les a marqués. Quoi, on est plus que deux là déjà? Oh putain, on est plus que deux. Non, mais putain, c'est pas possible quoi! Ils ont arrêté de sécuriser le conteneur. Bon, on a perdu. Les alliés ont été éliminés. Ça s'en pète vraiment les couilles hein, parce que quand je fais pas de vidéo, putain de merde, je fais des bonnes parties, ça me saoule ça. En même temps aussi je suis avec des mecs, tu sais même pas, hein. Il y en a déjà un qui s'est barré comme je vous disais, il y en a un qui a rejoint. Tout le monde est mort comme des quiches, moi je suis mort comme une merde. Pff, j'ai un casque, j'ai même pas entendu le mec arriver, genre parce qu'il a genoux, tu n'entends pas arriver, c'est youpi, n'importe quoi. Qu'est-ce que je prends maintenant?
On va prendre poteau. Et si ça continue, je vais prendre termite après. On va faire un petit carton à termite, hein, c'est pas possible. Ah, je suis putain de mauvais, vraiment. Hein, je suis putain de mauvais là. Attends, il y a quoi? Il y a 2 jours, je fais une partie avec Black Witch Shadow sur Xbox et j'étais à coup de 9 kills. J'arrive sur P4, j'arrive même pas à me faire un. Chemin. Ça met 20 ans aussi, ça me pète les couilles, ça. Putain, voilà, fous la vie de ta partie, l'enculé, va. Localiser le Putain, ce vecteur jeu, agressif. quoi. Bon, où est-ce qu'ils seront? C'est qu'ils sont dans le bureau, là? Ouais. Je vais me faire tuer, je crois. PG et moi, on va se faire tuer. 10 secondes avant insertion. Au travail. On sait maintenant où se trouve le conteneur radioactif. 5 secondes. Conteneur radioactif localisé. Rendez-vous sur place. Bouclier déployé. Allez. What? D'où ça électrocute les gens de là? Moi quand je m'en sers, ça fait pas ça. Mais what the fuck? Je savais pas qu'ils aient ça ce perso moi. Putain, l'autre il a le bouclier, s'est fait enculer direct. Derrière toi, frère. Regarde cette grosse fiotte là. Hein. J'ai pris une balle d'où là? Pardon? D'où j'ai pris une balle là? Vous avez été repéré. J'étais repéré. De quoi j'étais repéré? Ah oui, par le truc. Hein. C'est vrai que j'ai tiré dessus. Pas par où rentrer, c'est n'importe nawak là cette partie. Ça leur fait rien, hein. Je tire sur les mecs depuis tout à l'heure, je leur fais des câlins quoi. Bah ça y est, je suis mort moi. Tellement mort. Activité, sécurité la pièce. Protégez le conteneur radioactif. Dernier Roquefort. Wow, j'ai mis une sacrée tête à lui. Je pensais que j'étais tellement mort, mon gars, c'était même pas la peine. Hein. Je me suis dit, c'est bon, je vais rentrer, je vais me faire opérer. Et n'empêche, c'est pas con, il a mis son truc là. Comme ça, tu repères le mec direct avec le LA, c'était vraiment bâtard, ça, ouais. Dommage qu'ils étaient pas fruités, ça qu'on va dire, voilà. Ils auraient été fruités, ça aurait été autre chose. Et bon, ils étaient pas fruités, ces petits salopios. Je vais prendre qui, moi, parce qu'il serait peut-être temps que j'ai des coucouilles, moi. On va prendre. On va prendre Jean-Luc. Capcan. Lui, je le kiffe, Capcan. Normalement, je suis plutôt bon. Oh, un petit cheveu. Tiens. Apparition, tiens. Wow. J'aime pas les nénuphars. Je préfère les Norvégiens. Barricader la salle. Il faut protéger le conteneur radioactif.
Ah ouais, mais là on pouvait pas tomber sur Piranha quoi. Oh alors là direct mon pote c'est mort, je protège les arrières d'entrée mon gars. Ah, je cherche même pas à comprendre, ah ouais. Directement là on s'en bat les couilles sur le teco mon pote. Personne n'a protégé là-bas, on est mort. On est vivant mais on est mort. Ça sent tellement le pâté cette histoire. Et le pâté en érection, ça sent en plus, hein. Le pire, hein. Le pire des pâtés. Maintenant, on n'a pas réussi à trouver le conteneur radioactif. Allez, c'est parti. Ah ah ah. Ça faisait bien, les mecs qui étaient morts derrière. Alors, on va mettre un ici. Ah mais allez, mets-toi là, putain, il y en a un qui va se mettre à la fenêtre, il va m'affuster encore. Restez à l'écart. Barricade de porte déployée. Je sais pas trop, il me prend une tête, quoi, tu vois. Système avancé, attention à la porte. Quoi, il y a un plafond là-haut. Hopfort a trouvé le conteneur radioactif. Hopfort sécurise le conteneur radioactif. Non, mais c'est pas, vas-y, mais tout le monde se casse aussi dans le jeu, quoi. Putain, venez avec moi sur le point, les gars, quoi. Putain, nouveau mort, Romain. Et qu'est-ce que je fasse tout seul? Il y a 50 fenêtres, je sais même pas où protéger, ils ont pas fermé ce mur, ils ont rien fait, quoi. Putain, c'est des cachalots, ces mecs, hein. Même un cachalot, c'est plus intelligent, la tête de ma mère. Oh, ils puent vraiment la merde, ces mecs, hein. Vos darons écrasent de l'acide, va. Vos mères, les xénomorphes. Ah, j'ai jamais vu des pailloux comme ça, mais putain, on dirait des capotes irakiennes. Tu sais, avec la barbe, là, voilà, quoi, les capotes avec des barbichettes, là. Type, je suis solo sur le point, quoi. Tiens, tu les vois tous, ils sont ailleurs, en train de camper, comme ça. Oh, c'est quoi la guerre? Je sais pas, j'ai peur, moi, de faire la guerre, ça fait tellement mal. Mais mec, c'est des pixels. Y'a rien qui va te faire mal, mon pote, tu joues pas ta vie, hein. C'est juste tes yeux qui morflent, hein. Après, tu vas te coucher, tu te réveilles le lendemain, t'es vivant encore, hein. Il me casse les couilles ces mecs, quand je joue comme ça on dirait des, je sais pas moi, des crustacés quoi, des espèces de gambas bouillies quoi. Des crottes de nez je dirais même. Mais des grosses hein, pas des petites crottes de nez, hein. Allez, on va maintenant. Beau travail, on sait maintenant où se trouve le conteneur radioactif. Allez on y va, petite salope qui sera là, ok pas de soucis, lui je m'en charge. Allez, qui meurt. Allez, on se le fait là, on s'en bat les couilles, on peut le faire. Oh, on va m'appeler Bob, le bricoleur. Ah, il fait des trous partout comme une petite pute. Et là, c'est pas des coucouilles, moi. Ah, fais tes petits trous, vas-y. T'imagines le mec qui sort un lance-roquette, c'est non, mais bientôt il y aura un lance-patate. Ils vont finir par le mettre, et vous allez voir. Ils vont finir par le mettre. Un micro lance-patate là. Ça irait bien quand même. Hein. Le mec il est là, très fort là, tu te décales. Allez, bisous. T'inquiète. Alors, quand je vais aller fuser la chatte à ta mère, tu vas moins rigoler, mon pote. J'essaie de les fuser. Je dis bien, je vais essayer. Rien n'est fait. Allez, toi, t'as pris une tête. Un petit doliprane, c'est moi qui régale. Attendez. Et moi je fais pas ça avec, hein.
Ah, le mec, il te ralentit tout quand il t'électrocute. Allez, recharge, mon pote. 10 ans plus tard. Non, mais c'est vraiment, c'est de la merde, ce perso. C'est vraiment un truc de tantouze. Hein. Vraiment, hein, la tête de ma mère. Hein. Allez se faire enculer ce mec. Ah ouais, il me casse les couilles les gars. Il en est quand même mongol avec son truc. Moi je l'ai fait ce perso tout à l'heure, moi ça électrocutait pas les gens. Pourtant je reste appuyé. Je sais pas d'où il sort ce truc. Dernier agent allié. Bah franchement là c'est vraiment dans l'abus. Hein. Voyons mec comment tu m'as eu parce que je veux voir, voyons. Parce que mon écran, tu t'es pas. Putain, là, il fait un trou là. Putain, c'est quoi ces mecs? Moi, il s'appelle comment celui qui avait le perso là? C'est lui? Allez, signalé. Voilà, prochaine fois, tu auras des couilles. Putain, quelle idée, Rainbow, d'avoir inventé des persos. Franchement, c'est n'importe quoi ce perso. Parce que moi, je vous promets, je m'en sers jamais l'électricité par sur les mecs. Hein. Jamais de la vie. Hein. J'ai fait ça pendant je sais pas combien de temps sur un mec, ça le touchait pas. Hein. Bon, on va s'arrêter là, les amis, parce que j'ai pété les plombs sur ce jeu d'enculé. C'est sur PK, de toute façon, la communauté, c'est tellement des susbites que voilà, ça pue la merde. C'est un truc de fou. En plus, ils rajoutent des persos encore plus péraves. Moi, j'ai toujours des merdes avec moi, des mecs sans couilles. Bon, en tout cas, j'ai un petit peu ragé. Si la vidéo vous a plu pour ça, tant mieux, les amis. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, à vous abonner aussi, ça me fait vraiment plaisir. Et j'essaierai de poster des vidéos un peu plus souvent. Malgré ma connexion, je fais vraiment pas exprès, les gars. Des fois, j'ai les vidéos et elles s'envoient pas. C'est vraiment casse-couille. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye, les amis.